Ok, et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Alan Wake, premier du nom. J'espère que vous allez bien. Oui, les câbles et tout, oui, bah forcément ça reset du coup la session, les events. On se retrouve du coup juste après un accident de voiture, mais est-ce la réalité? Est-ce notre imagination? Notre femme est-elle Dans morte, les noyée? analyses, ce Morte document dans l'accident, dans le The ravin? Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emily Tant de Hunter. questions sans réponse, Le tant de livre me mystères remémore ma dispute avec Alice. Ça ne sans m'anime plus. lumière. Et le Ouh là là, visage j'ai bien poète. satisfait de cet homme en couverture ne me Ça, on l'avait plaisait déjà pas non lu. plus. C'est pour ça que je parle par-dessus. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à vous mettre confortable. On va se replonger dans cette aventure un peu horrifique, même complètement horrifique. Et y La découvrir un peu ce qui station-service nous était y ma attend. meilleure chance. J'utiliserai leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Ok. Station-service, forêt. D'abord. Ça, c'est synonyme de. Ah, et voilà. S'y attendait. Chérie, t'étais pas dans la voiture, j'espère. Bon, bah sinon, c'est bon, hein, ma carte bleue, elle m'appartient plus qu'à moi. Hein. Faut voir le bon côté des choses, hein. Moins de dépenses. Rejoignez la station service. Alors. Dans la forêt de Dana. Eh oh, eh oh, eh oh. Eh oh, eh. Oh, bah, il y a Dieu! Oh, Dieu! Eh oh, y a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. Ah. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Et voilà. On est dans son imagination. F5. Page titre du manuscrit. Departure par Alan Wake. Departure. C'est tout. Wake attaqué par une ombre L'homme se tourna meurtrière. vers moi. Son visage était couvert d'ombre et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar. Mais j'étais bien réveillé. Tu n'es pas réveillé, tu es juste fou. Par contre, pourquoi il y a un petit logo là? Page disponible en difficulté. Ah! D'accord, donc en fait. Oh, ok, d'accord. Ah, c'est cool! Enfin, c'est intéressant. Donc en gros, pour justifier le mode cauchemardesque, beaucoup plus difficile, c'est aussi pour avoir les pages, notamment les dernières et une en plein milieu, quoi. Donc sur des pages intéressantes. Ah. Bande de chacos. Ah, les sagouins. Ils mettent une carotte pour qu'on fasse le mode cauchemardesque. Pour qu'on se fasse du mal encore plus. Allez, on court. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Et t'es dans ton esprit, encore en train de délirer. Bon, quand est-ce qu'on va se réveiller de ce cauchemar? Les lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Crois-moi, ça va tout sauf se passer comme tu le veux, hein. Bonsoir. Y a rien là-bas, sûr? Are you sure? I'm not sure. Go back. Ok, non, y a rien. En fait, ils peuvent tellement cacher parce que du coup, c'est-à-dire qu'il y a des thermosacs à café à récupérer, des pages de manuscrits sur son livre qu'il n'a pas encore écrit d'ailleurs. C'est étrange que ça le saute. Bon, ça va clairement partir en vrille cette histoire. Hein. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Bonsoir. C'est un peu trop étroit, hein, Hé ça va mal se passer. hey, vous! Il y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que...
Charlotte Standing Alloy à Bright Falls. Oh merde. Carl Stucky. Ravi de vous connaître. Un acon. Non remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Monsieur, vous êtes un peu cassé, j'ai l'impression. Ah, va falloir courir. Ah là là là. Non, je peux rien faire là. Ouais, il va falloir esquiver. En plus, on n'a pas d'armes, on n'a pas de lampe torche. Ah. Mais là. Ah, je vais m'esquiver. Qu'est-ce que ça dit? Wake affronte un possédé avec la lumière. Devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrais la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain, quelque chose céda et la lumière se fit plus vive. T'as pas de lampe torche? Je tiens juste à le rappeler. Tu n'as pas de lampe torche. Oh là là là. Oh, garde. Zut. La con. C'est la dernière mode. Ah. D'un coup. Bien. Voilà. Il nous refait une shiny, hein, le con. Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Bah voilà un flingue, comme par hasard. Une lampe torche, comme par hasard. Allez, va me le bousiller maintenant. Va lui montrer comment ça se passe ici. Lors de votre séjour, je conseille la pratique de la marche. D'accord. C'est la dernière mode. Tiens, le téléphone. Oui. Depuis l'heure du shérif de Bright Falls, en quoi puis-je... Vous faites une guerre. Ah. Vous découvrez la région et... Mais c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Oh le con! Oh le con! Ah ouais! Ah ouais! Le mec il a fait quoi? Il a pris la cabane, il a fait toi je t'emmène. T'emmène danser! Mais vas-y viens là! Eh j'ai une lampe torche et une arme à feu hein! Le bulldozer a fait tomber de la falaise avec le bureau. J'espérais que Stucky avait trouvé la même fin. Mais je ne comptais pas rester pour le vérifier. Bon, Stucky, il est encore là, il va pop hein, devant nous. Stucky est intemporel. Ah oui, d'accord, les portes qui s'ouvrent comme ça. Il y en avait encore. Ah ouais, mais alors attends, parce que les mecs, vous êtes un peu hardcore. Hein. Genre, moi, j'ai pas le temps de... Ah la vache, la saloperie. Non mais gros, c'est pas possible. Comment je fais pour arriver? Ah, j'y arrive pas, hein. C'est dur. Oh, c'est dur, la maniabilité, mon ref. Attends, parce que là, j'arrive pas à viser comme il faut avec mon arme. Et en plus ça, pour arriver à les détruire avec la lumière... Ok, en fait, il faut que j'y aille vraiment beaucoup plus franco, hein. J'y réfléchis pas en fait, hein. Vraiment. C'est je pointe et je tire. Hein. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Ah, il y a des indications. Si ça semblait assez réel pour me rendre malade.
Ah ouais, c'est... C'est tricky, hein. Tricky, tricky, tricky. Là-bas, il y a clairement un truc. Ah ouais. Un coup de pied, je me suis même pas fait électrocuter. It's magic. Ah. Il y a plein de choses, hein. Et là-bas. Ok. Ok. Et là, je peux rien faire, je peux pas aller en dessous. Je vérifie. Moi, j'adore, c'est les petites. Petites flèches cachées. Lance-fusée, êtes-vous? Ah oui, d'accord, là-bas. Ah oui, d'accord, en donnant le coup de pied, on a délette l'électricité. Les flèches, c'était juste pour nous indiquer un truc planqué. Je n'avais pas d'autre choix. Que l'on aurait je pu devais couper. Atteindre la station service. En fait, c'est ça le truc. C'est que. Merde, j'aurais pas dû intérêt de pile d'ailleurs, il n'y avait pas besoin. C'est qu'en fait, vraiment, une fois que je l'ai aveuglé, là où pointe ma lumière, en fait, c'est là où je vais tirer, en fait. Tout simplement, pas besoin de réfléchir, en fait. Oh, ramasser la page du manuscrit. F5. Attends, c'est pas dans l'ordre ou c'est normal? Parce que là, j'en ai pas plein, là. Mais à présent, elle s'en moquait. Pour sa part, sa brève rencontre avec Alan Wake avait été le plus grand moment de sa vie. Elle le regarda monter en voiture avec sa femme. Cette dernière était jolie, sûre d'elle, et à l'aise avec Wake, contrairement à Rose. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle aurait tout donné pour devenir leur amie. Rose. Rose est jalouse. Très bien. Alors, des piles, des munitions. Attends, j'aimerais juste avoir un autre truc. Ah non, c'est fermé. Alors, bien bonsoir. La nonne encore. Celle qui nous a donné les clés des enfers, visiblement. Qu'est-ce que c'était que ça? La nonne maléfique. Voilà ce que c'était. Alors. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. Alors tombe pas. Hein. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Crac. Ça va en fait. Easy. Il peut y avoir tellement. En fait, ils ont mis plein de petits partout. Comme c'est ouvert un peu dans tous les sens, ça justifie vraiment le fait de pouvoir fouiller dans tous les sens. J'aime bien. Mais. Oh, bah voilà, un thermos. Thermos à café. Persuadé que dans le premier épisode, avec le bunker, j'ai eu plein de trucs pour faire rentrer dedans. Je suis parti trop devant. D'accord. Gauche, droite, droite, gauche. Ouh là là. Alors là, il y a des choses. Ouais. Page de manuscrit. Ramasse. L'arrivée de Barry. Il était surexcité. Il avait sauté dans un avion après qu'Al et Alice avaient ignoré ses appels pendant plusieurs jours. Cela pouvait signifier qu'il s'offrait une seconde lune de miel, mais Barry n'y croyait pas. Al était bien trop instable pour cela. Insomniaque, tourmenté. Barry s'occupait d'Alan Wake depuis des années, et il devait l'admettre, il se passait quelque chose. Par contre, attends, parce que je suis frustré, ça voudrait dire que là, il y avait une page cauchemardesque, mais du coup, j'ai loupé 3, 4, 5 pages. J'ai loupé 5 pages. Donc là où il y avait... Loot ? What the fuck ? Comment j'ai pu louper 5 pages ? Une ou deux, encore. Mais 5 ? Ou alors, ça peut être tout dans l'ordre.
un bon repas. Stucky était encore là. Bah oui. Noir, à me guetter. C'est un démon. Non, ça sert à rien que je descende par là, que je tente quoi que ce soit. Je ne pourrais pas remonter. Ok, il y a des ressources. On va pas insérer de kill, on va attendre qu'elle se recharge. On va garder les piles vraiment pour le besoin inconsidéré d'avoir la lumière à un moment précis. Je vais essayer de jouer correctement, j'ai joué un peu comme une brêle là tout à l'heure. Donc quelque chose me dit que c'est pas fini. Et tu fouilles les moindres recoins. Caution! Proceed at your own risk. Log in your head. J'espère que vous appréciez mon accent English. Alors. Il y a une petite flèche par là. Donc, à mon avis, c'est un truc planqué, j'imagine. Un truc à palper. Quand est-ce que ça me saute dessus? Parce que je le sens pas. Alors j'ai vu à l'échelle, mais je vérifie juste qu'il n'y a rien. Et tu grimpes. D'accord. Ça a l'air d'être... Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Possédé. Ah. Ce sont des possédés. The Taken are filled with darkness. Alors, The Taken, j'ai un doute. Les possédés s'enfuient dans... avec l'obscurité. Peut-être. Je crois que c'est ça, hein. Là, il y a des choses. Ah, vilain. Il y a une torche. Je sais pas ce que ça veut dire. Puis le lithium ramassé. Pour signifier qu'il y a une cache. C'est juste ça? Le symbole me fait dire qu'il y avait peut-être autre chose, mais je sais pas quoi. Surprend. Mais attends, mais j'ai vraiment le seum d'avoir loupé 5 pages quoi. Là où il y avait Stucky. J'ai le seum. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve. Bien évidemment. Je ne pouvais pas rester là. Il y avait forcément un moyen de monter. Ah, j'ai plus de place. Il va falloir utiliser le revolver à un endroit. Pour ceux qui nous ont donné autant de balles. Ouais. C'est un peu la merde. Ah non, j'ai pas mon image. Allez, vas-y, viens là! Viens là! Ah, mais il a plus de protéger en fait.
Il n'était plus protégé. J'ai complètement fumé. Ouais, non, en fait, j'ai appuyé sur CTRL au lieu de mage. Et du coup, au lieu d'esquiver, bah, j'ai rien fait. Je me suis bouffé le cou. La lumière et du soin par ailleurs. Gilmore Logging Co. Ah non, mais il y a quand même encore des pales. Ah, donc ça va, j'en ai pas le P5. Je les entendis avant de les voir, crevant les cieux à toute allure dans un grincement. Je me retournais alors que le nuage fonçait sur moi. Un instant, je contemplais une centaine d'yeux morts, des perles noires étincelant dans les ténèbres. Je levai la lampe torche. Et les seins explosa comme des feux d'artifice. Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres. Mon cri se perdit parmi les leurs. Fuis de chasse. Pardon. Dès le début du jeu là. Régale. C'est vrai que tu me diras, le jeu n'est pas aussi long. On va le tester, après je pense que je vais le garder pour les grandes occasions. Il y a un thermos, hein, je l'ai vu. Il brille au loin, seul abandonné. Allez, vas-y, viens là. Déplacer à la verticale. Donc je dois faire un pont entre les deux. Ceci. Muy bien. Donc là on a fait le passage, on a fouillé à peu près tout ce qu'il y avait. Une page manuscrit, un thermos, je pense qu'on peut y aller sans trop de problème. On a même trouvé un pompe, donc j'imagine que on est bien en termes de fouille. On n'est pas à l'abri qu'ils aient recaché un thermos à un endroit un peu plus caché. Jusqu'à mesure qu'il y a peut-être un move à faire avec ça. Je ne sais pas. De toute façon, on n'aura pas tous les secrets du jeu, mais tant que j'en aurais fait un maximum, ça me va. Encore des... Merde. Encore une pile de canne. Moi j'ai envie de shooter dedans. Point de contrôle atteint. On a radio encore. Je viens de sortir prendre un peu l'air. Et à quelle nuit les amis, la plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Tu vas convaincre que le billard, il va se passer un truc aussi avec lui. Tu parles avec moi qu'on va croiser Toby. Toby Maguire, non c'est pas ça. C'est autre chose.
Il y a du jaune là-dessus. Il n'y a rien à faire. Les radios aussi, il y a des piles de canettes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils ont un peu planquées en plus. Ah ouais, c'est encore une torche, donc c'est encore un truc en mode... Ah ouais, je peux m'oléter, c'est déjà un peu mieux. Du coup, il manque deux armes. En vrai, plutôt logique en fait qu'on ait le pompe. Par contre, j'ai ramassé ça et j'ai à nouveau deux balles, je sais comment pas. Ou alors c'est unique. Je ne sais pas. Encore une page de manuscrit. Pas trop planqué cette fois-ci. Au début, je trouvais les pages comme par accident. Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle, soit un acte créatif qui avait réécrit le monde. Je me mis à chasser les pages fiévreusement, car elles détenaient la clé du mystère. Grâce à elles, je sauverais ma peau. Grâce à elles, je sauverais Alice. Alice. Vous savez qu'Alice... C'est pas trop encore... J'approchais enfin de la station service, ah, s'allumait en m'invitant à m'y abriter. Paul fait les meilleurs hot dogs, tu crois ? Ah bah voilà. Il y a l'autre fou là. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog est troisième. Ah, c'est lui qui a bouffé le chien, c'est ça ? Allez, vas-y, viens là. Fais pas ton petit zizi. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Et il est... Ouais, là j'ai un peu paniqué parce que j'ai plus beaucoup de vie. En fait, la lampe torche est un peu tricky. Wouh! Wouh! J'ai pas vu. Il y en a un autre à côté. Ah ouais. Oh la vache. Je me suis re-sauvé le cul de peu, hein. Oh le bordel. J'étais en train de m'en faire un. J'étais en mode allez, vas-y, c'est bon. Je me suis fait satelliser, quoi. J'ai vu l'autre à côté, j'ai tapé ma meilleure... Est-ce que... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, bon. J'ai réutilisé une pile, j'aurais pas dû. J'aurais dû la laisser se recharger. Je me suis sauvé les fesses avec le lance-fusée. Heureusement qu'il était là. Alors, soit j'avais une seule balle de lance-fusée, j'en récupérais une deuxième dans le coffre. Soit je persiste à dire que j'avais deux balles de lance-fusée, il me l'a remplacé par un autre. Hein. Je fouille un peu parce que là, ça allait m'aller vachement trop vaste. Okay. Ah ouais, putain, hey. Oh. Ah les mecs veulent mon cul. Waouh. Pardon, vous êtes combien? Pardon. Mais oh. Oh. Mais pardon. Mais faisons les présentations. Mais mec, mais je me suis fait gangbang. Frère, je me suis fait arrêter contre 6 personnes avant ça. Ils sont arrivés à 10 sur la gueule quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais pardon. Dites-le en fait si vous avez un problème. Au début, je trouvais les pages comme par accident. Oh mec! Qu'est-ce qui vient de se passer quoi? La difficulté du jeu, s'il vous plaît. Dosez là. En plus ça, je cours comme un asthmatique. Genre, encore une fois, je cours en personnage, j'y cours à moitié pas. Je tente d'esquiver, j'y arrive pas non plus. Par contre, il y avait un truc à allumer. Il y a peut-être de la lumière à mettre pour que ce soit plus facile. Non mais là, sont des conneries quoi. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Dog. Et
fils de pute. Putain. J'ai pas récupéré mes pouces. Le lance-fusée. J'avais une balle de lance-fusée que j'ai pas récupérée dans le coffre avant. Donc j'avais bien une balle. Non mais sérieux quoi, qu'est-ce que c'est que cette agression? 5 sur ma tronche quoi. Bon, c'est un truc pour récupérer de la vie, j'aurais dû l'activer directement. Par contre, je vais récupérer la balle de lance-fusée, ça j'ai le seum. Putain. Mais frère, il me montre un mec derrière moi, mais il y en a aussi un devant. Oh, mais c'est galère hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? M'adresse des miens. Oh la vache. Oh je me tire. Je cours hein. Je fouille même pas la zone hein. J'en ai rien à foutre de louper des trucs. J'ai visiblement tous mes données. De la station service. Il était sombre et calme, un vrai bazar. On aurait dit que quelqu'un avait tout détruit ou qu'on s'y était battu. La lumière filtra dans la pièce par une porte ouverte à l'arrière et je me dirigeais vers elle. Je fus soudain aveuglé par une lumière vive. Sur une étagère, une vieille télé portative s'était allumée toute seule. Aussi dingue que cela paraisse, je me vis à l'écran, parlant, comme un illuminé. Oh la vache, m'en remets pas, hein. Là, des émotions qui viennent d'arriver. Non mais à un moment donné, va aller se faire, maître. Allez, putain, frère, j'ai une lampe torche à se mettre. Entre mon personnage qui est pas capable de courir et ma lampe torche qui s'épuise en 2-2, on va pas y arriver, hein. Oh là là, l'agression, je m'en remets pas quoi. 5 sur ma tronche. Enfin, du coup, il y a une balle de lance-fusée que j'ai loupée. Encore une histoire de flèche avec un coffre sur un planqué. Ouais. Ok. Encore des corbeaux, encore et toujours. C'est sûr et certain que ça va tomber sur moi. C'est sûr et certain que ça va venir chuter. On me la fait pas moi. Voilà. Ah non. Ah la foudre. Hein. Ils étaient 3 en plus. Donc concrètement, on vous a donné ça, c'est pour l'utiliser. Bon, il y a des pages planquées, mais il y a des pages clairement données. Oulala. Oulala. Nightwing. L'épisode de ce soir, suicide quantique. Si nos vies à tous sont déjà écrites, il faudrait un homme courageux pour en modifier le scénario. Ayant organisé une conférence, le docteur Barclay Colvin est sur le point de prouver son courage aux yeux du monde. Bienvenue, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis le docteur Barclay Colvin. Ils ont repris la voix partout. Ici à l'Institut Moorcock. Ce soir, vous allez assister à la démonstration pratique de l'interprétation des univers multiples.
Comme vous le voyez, ceci est un pistolet chargé de calibre 9 mm. Il fera partie d'une expérience théorique et pratique dans quelques instants maintenant, portant le nom de suicide quantique. Il a bien dit suicide ? C'est une vraie arme ? Il rigole quoi ? Voyons, je vous en prie, gardez votre calme, c'est sans danger, croyez-moi. Observez plutôt ce qui arrive lorsque je positionne l'arme sur mon propre front. Certes, vous pouvez penser que tout cela n'est qu'une mise en scène. Vous auriez tort. Observez le pot de fleurs. Et pourtant, cette arme ne peut me faire à moi aucun mal. À chaque pression de la gâchette, deux nouvelles réalités bifurquent. L'une dans laquelle l'arme n'a pas tiré, et l'autre où elle a bel et bien tiré. Grâce à la machine que voici, je me suis assuré que la première réalité s'accomplisse à chaque fois. Je me suis ainsi accordé l'immortalité quantique. Il est tout simplement impossible que ce pistolet puisse m'ôter la vie. Attendez un peu. Ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois que vous tirez dans une autre réalité, vous mourrez ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a un nombre infini de choses qui peuvent survenir à tout moment. Et elles surviennent toujours quelque part. L'important, c'est que voilà. La chose en question n'a pas eu lieu ici. Vous êtes cinglé, Colvin. Cinglé ? Cinglé ? Hey, est-ce que ce truc était censé être branché ? J'ai trébuché dessus. Bande d'idiots ! Il va se faire une balle. Voilà. Notre pauvre docteur Colvin. A-t-il été trahi par son orgueil ou par la bêtise des mortels? Peut-être aurait-il dû laisser la boîte fermée et laisser les choses telles qu'elles étaient. La curiosité s'avère bien souvent fatale dans la zone X. Oh le con, il a débranché le truc. C'était sûr hein, qu'il allait se tirer une vraie balle. Alors. Le chalet de Cauldron Lake, demanda-t-elle. Le shérif me regarda d'un air soupçonneux. La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres du bureau. Je ne serais sûrement pas sorti vivant des bois sans son aide, mais je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais vraiment vu la nuit précédente. Elle me prendrait pour un menteur ou un dingue. Elle me ferait enfermer. Et elle ne m'aiderait pas à trouver Alice. Très bien. Je propose qu'on s'arrête ici, du coup. Pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à de j'aime, n'hésitez pas à commenter, allez voir les autres vidéos, les autres let's play. Et on se relève, on a rendez-vous pour la suite. On ouvrira les portes vers un autre enfer. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao ciao !